Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes déjà vendredi 22 avril et je crois que j'ai oublié de filmer cette semaine. Voilà, je pensais avoir filmé lundi pour ouvrir ce vlog, mais apparemment j'ai juste clôturé l'ancien. Désolé. Du coup, mardi, j'étais de garde et du coup, mercredi, jeudi, j'étais pas mal sur Twitch. Donc, nous voilà ici pour ce vlog. Je vais vous montrer tout de suite mes lectures et mes achats et réceptions de la semaine. C'est parti. Ma lecture en cours, c'est Le Déclencheur de Neil Chesterman aux éditions Nathan. C'est un roman que j'attendais avec impatience. Moi, personnellement, j'avais vu la sortie donc de Game Changer. On est avec le nain. On se repose tranquille avant d'aller faire à manger. En anglais, ça s'appelle Game Changer. Et je vous avoue que j'avais trop hésité à me l'acheter en anglais, mais j'ai bien fait de pas le faire parce que du coup, bah, il est sorti en français entre temps. Et on suit Ash. Regardez le nombre de signets que j'ai déjà mis. Voilà, sur 100 pages, on est déjà à 4 signets. Et encore, j'ai pris 2 pages en photo parce que j'avais pas de signets quand je les ai. Mais on va être à 6 signets sur 130 pages. On en est là. Du coup, on suit Ash qui est populaire, qui fait du foot, du football américain, pardon, il est américain. Et en fait, Ash, il se découvre une espèce de pouvoir qui est en train de m'être expliqué là dans les chapitres que je suis en train de lire. À chaque fois qu'il se tape la tête durant un match de football américain ou durant un entraînement, un truc comme ça, il y a quelque chose qui change au niveau de l'univers dans lequel il est. Il arrive dans une réalité alternative. Au début, ça commence avec des panneaux stop qui deviennent bleus et qui ne sont plus rouges. Et puis là, il est plutôt soit dealer de drogue, soit il arrive à un moment donné avec les États-Unis qui n'ont pas aboli la ségrégation. Donc voilà, étant donné que son meilleur ami Léo, je crois que c'est Léo, il me semble que c'est Léo, je sais plus, est noir, il va vite voir le changement, hein, voilà. Et c'est super intéressant parce que c'est Neil Chesterman. Il faut savoir que c'est un de mes auteurs chouchou. J'adore Neil Chesterman, même si j'ai failli le bousculer en convention, mais sinon vraiment je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'en fait il arrive à rattacher des paragraphes de psychologie à son histoire et c'est tellement tellement bien. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je vais le terminer ce week-end j'espère et vous en reparler durant ce vlog. Ensuite, hier, j'ai ouvert un paquet sur Twitch. J'ai reçu Comme une éclipse de Sophie Rouvier, qui est en fait Sophie Henrionnet, aux éditions Fayard. Alors, je ne l'avais pas demandé, je crois. Mais je vous mets quand même le résumé. On verra si je le lis. On verra un petit peu, je sais pas. C'est vrai que moi, en fait, Sophie, j'avais accepté de recevoir Sous les balcons du ciel il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Et du coup, bah, peut-être qu'elle m'a gentiment envoyé Comme une éclipse en sachant que j'ai en effet une dédicace, c'est beaucoup trop gentil. Donc voilà. Voilà pour les réceptions. Ensuite, je suis allée à Cultura hier et je me suis pris le nouveau Agathe Ruga, donc L'homme que je ne devais pas aimer, aux éditions Flammarion. Il faut savoir que Agathe Ruga, elle est médecin généraliste, elle est chroniqueuse et en plus, elle est autrice. Enfin, elle a vraiment une vie que je trouve très intéressante. Après, oui, moi, je suis pas autrice et je me projette pas comme autrice. Je vous le dis tout de suite. Mais justement, ça m'a fascinée qu'elle arrive à faire ça en plus. Voilà, je trouve déjà que je passe pas mal de temps entre mon métier et les chroniques. Donc, auteur en plus, ça m'a fascinée. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est cet extrait dans le résumé. « Il y a un an, je suis tombée amoureuse comme on tombe malade. Il m'a regardée, c'est tout. » Dans ses yeux, dans leurs promesses et ma renaissance, j'étais soudain atteinte d'un mal incurable, ne laissant présager rien de beau ni de fécond. Son regard était la goupille d'une grenade, un compte à rebours vers la mort programmée de ma famille. On va parler amour, on va parler passion, je pense, et puis famille et obligations et plein de choses comme ça. Ça me faisait beaucoup trop envie. Je trouve la couverture, enfin le rabat très joli, après le reste, oui, voilà. Après, le prix est aussi très joli, hein, comme dans la plupart des romans contemporains, mais voilà, j'avais très envie de la découvrir. En plus, elle avait fait ce roman que je voulais trop découvrir il y a 2 ans. C'était, vous savez, je crois que c'est un truc comme Dans le soleil de mes cheveux blonds. Je crois que je l'ai, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc ça sera l'occasion de me le faire aussi. Voilà, et puis après, je suis passée et j'ai trouvé ces mangas de la maison d'édition Nueve Graphics, j'imagine. Donc, Elegant Yokai Apartment Life de Hinowa Kozuki et Waka Miyama.
On est avec un étudiant qui doit trouver vite fait un logement. Il trouve une chambre pas chère, sauf que voilà, il y a des fantômes. Donc j'attends de voir, c'était à 3,95 € je crois, ou 3 euros. Ouais, je crois que c'est 3,95 €. Donc pour le prix, je me suis dit que j'allais essayer. Je connais pas du tout la maison d'édition. Et bah du coup, pareil, je me suis pris Copelion, je pense, le tome 1 de Tomonori Inoue, donc toujours chez Noeve Graphics. Et là, on est avec des jeunes filles qui sont. Donc, on est en 2036, il y a une catastrophe nucléaire et on va envoyer des adolescentes génétiquement modifiées. Elles ont été modifiées pour résister aux radiations. Et en gros, on les envoie sauver d'éventuels survivants de la ville de Tokyo qui est devenue une ville fantôme. Voilà. Pareil, 3,95 € je crois, donc je perdais pas grand-chose à le tenter. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis. J'avais commandé suite à l'avis de ma copine qui est médecin légiste et psychiatre. J'ai commandé La Sagesse du psychopathe. Ils sont froids, détachés et peut-être mieux armés pour réussir. Les psychopathes nous entourent, peuvent-ils aussi nous inspirer? C'est chez Larousse et elle m'a dit que c'était vraiment très intéressant. C'est un essai sur les psychopathes et bah, ça vous dit que voilà, le psychopathe n'est pas forcément sanguinaire, c'est pas forcément un serial killer et ça peut juste très bien être le patron d'une grande entreprise par exemple. Donc voilà. Et si des personnalités psychopathiques ordinaires gouvernaient avec succès et efficacité notre monde contemporain, notamment celui du travail. Et ça se retrouve beaucoup, hein. Moi j'en connais pas mal qui sont simplement bah, PDG, avocat, chirurgien, médecin, avec un poste à responsabilité importante. Enfin voilà, le fait de pas avoir d'empathie, parfois ça te permet aussi juste de réussir dans la vie. Et je pense que c'est ce que cet essai va nous dire. Donc écoutez, je le lirai avec plaisir. J'ai vraiment hâte pour le coup de le découvrir. Et ensuite, j'ai un colis à ouvrir avec vous. Je vous montre. Je l'ai déjà pré-ouvert, sinon il y avait l'adresse de l'autrice. Et ça m'embêtait un petit peu. Du coup, hop. Oh, il est trop beau. Attendez. J'essaye de. Bon, il y en a un qui est sorti. C'est le préquel de La Cité des Sang-Purs, donc de Chêne et de Sang, de Lucile Chaponnet. J'avais participé sur son site à sa vente. Oh, trop bien! Trop trop chou, il est dédicacé du coup. J'avais participé à sa vente pour, je vous montre, l'intégrale de La Cité des Sang-Purs, qui est juste magnifique, donc de Lucile Chaponnet. Magnifique, il est vraiment splendide. Il est vraiment splendide, je trouve. Regardez-moi ça, à quel point il est beau. Waouh! Il est superbe. Il est magnifique. Il chatoie et tout. C'est vraiment très beau. Regardez, hop, petit reflet. C'est trop beau. Oh! Alors, on a un marque-page. Alors, en sachant que c'est du gros craquage, hein, parce que moi, je les ai en version comme ça. Hein. Les tomes 1 et 2 sont comme ça. J'ai les deux. Hein. Enfin, c'est vraiment du craquage. Oh, regardez cette belle carte. Trop beau. Et du coup, il est dédicacé. Merci beaucoup, Lucille. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, donc on a re la carte. C'est magnifique. C'est vraiment beaucoup trop beau. Waouh! Trop bien! Oh, il me fait trop envie, du coup. J'ai trop envie de le découvrir. Et même, enfin, vous voyez? Par exemple, on en parlait hier sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir le replay. Hier, c'était la journée de l'auto-édition. Et on parlait bah, de ces auto-édités qui font des choses vraiment de qualité. Et comme vous voyez, un livre comme ça. Mais écoutez, c'est une auto-édité. Voilà, Lucile, c'est de l'auto-édition. Et c'est tellement de la qualité, c'est incroyable. Enfin, franchement, hier dans le live sur Twitch, du coup, on parlait de ces auto-édités qu'on admire parce que vraiment, on adore leur travail, on adore ce qu'ils font, c'est magnifique, c'est trop chouette. Et bah voilà, vous avez une liste d'auto-édités à découvrir dans ce live. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de vous reprendre un peu sur le week-end pour que vous suiviez mes lectures, que vous suiviez la petite Luna qui s'endort là. T'es fatiguée? On va manger après? Ah ouais, on se réveille. Et du coup, je reprendrai sur le week-end. Et puis, je pense qu'on va durer un petit peu plus parce que bah, je sais très bien que j'ai oublié de filmer depuis lundi. Donc voilà. De toute façon, c'est bien parce que maintenant, j'ai à peu près, j'ai quasi une semaine de décalage. C'est-à-dire que là, lundi, le vlog qui s'est terminé lundi, bah, je le poste demain.
Donc franchement, c'est trop pratique. Vraiment, j'aurais dû faire ça avant. Parce que oui, ok, pour vous, ça décale d'une semaine, mais qu'est-ce que c'est une semaine? De toute façon, parfois, vous regardez les vidéos une semaine après, voire deux, voire trois, tu vois, voire 3 mois même des fois. Il y en a, ils commentent des vidéos que j'ai faites l'an dernier, des fois, j'ai vu. Donc je pense que ça change pas grand-chose. Et pour moi, c'est tellement plus pratique. Donc voilà, on essaiera quand même de clôturer lundi, mardi, mais ça peut être plus facile pour moi, en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et puis j'ai trop hâte de vous reparler de ma lecture en cours parce que j'adore ce roman. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé, je mettrai la couverture ici, mais je lis aussi à côté en numérique, je lis Kolia de Mathilde Trinson et j'aime beaucoup. Vous savez, c'est le tome 2 de Eyama. Je vous en avais parlé dans un dernier vlog ou update lecture, voire les deux. Et là, dans Kolia, on va sur une deuxième planète. En fait, on est sur un univers à 4 planètes différentes à découvrir et du coup là on est sur la deuxième et il y a plein d'animaux mutants qui sont vraiment effrayants des choses comme ça et franchement j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai bah, quand j'aurai ma liseuse pas loin, ça sera plus simple. Allez, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 28 avril, je sais, ça fait un moment que je vous ai pas appris, je sais, mais j'ai pas vraiment avancé dans mes lectures, je vais vous montrer. Par contre j'ai fait des achats, hein. Aujourd'hui j'ai acheté 5 livres, je ne les ai pas montrés sur Twitch, comme ça vous allez pouvoir les voir bah, seulement ici, voilà. Il y a des choses que je montre que sur Twitch et qui arriveront en boucle, il y a des choses que je montre là, franchement je calcule pas. Je calcule pas, vraiment. Voilà, je vais vous montrer ça facile. Du coup, alors au niveau lecture, je suis toujours dans Le Déclencheur hein, de Neil Schusterman. J'ai pas beaucoup avancé, mais regardez, regardez, tout s'est signé. Regardez à quel point c'est bien. En vrai, je suis page 256 sur 389, je crois. J'aime bien, mais ça reprend vraiment cette ficelle scénaristique du. Vous savez, d'habitude, on retourne, enfin, on a ce personnage qui incarne différents personnages ou qui retourne dans ses souvenirs et qui comprend des choses et tout. Ben là, c'est un peu pareil, c'est on va d'une réalité alternative à l'autre et du coup, on comprend des choses, que ce soit surtout psychologique d'ailleurs. Donc, j'aime bien. Mais je pensais aimer plus que ça l'histoire et en fait je pense que je prends peut-être trop de temps à le lire. C'est possible que ça soit ça, hein. C'est possible que je prenne beaucoup trop de temps à le lire et que du coup je trouve ça long en même temps. Ça fait 2 semaines que je suis dessus, une semaine et quelques. J'aimerais bien le terminer là bientôt. Pas ce soir, je fais un live sortie littéraire. Bah, d'ailleurs c'est la vidéo que vous avez eue samedi. Parce que j'ai décidé de le faire en live, je veux tester en fait. Je ferai pas toutes les vidéos en live, hein, vous en faites pas, mais je veux tester un petit peu. Autant le bilan lecture c'était cool, mais en même temps je me dis des fois ça va être compliqué de se concentrer et tout. Même si vous avez apprécié le format dynamique, autant les sorties littéraires ça s'y prête bien, autant le book haul c'est mort, ça sera devant mes bibliothèques, c'est mort. Les piles à lire sûrement aussi, on verra bien. Donc voilà. Puis en plus, enfin, ça serait dommage de pas continuer les vidéos comme ça devant mes bibliothèques. Ok, ça me demande beaucoup de temps parce qu'il faut filmer, il faut. En fait, on se rend pas compte avant de le faire. Il faut filmer, ça vous prend une demi-heure, 1 heure en fonction de ce que vous faites. Il faut faire le montage, ça prend 1 à 2 à 3 heures, d'accord? Les vlogs, c'est le pire. Je pense que c'est le plus long. Après, il faut extraire. Là encore, votre PC, il va mettre. Entre 10 minutes si vous faites une vidéo courte et 2 heures par exemple. Ensuite, il faut mettre en ligne. Ensuite, il faut faire la miniature et tout. Enfin, ça prend extrêmement beaucoup de temps, voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais des lives, c'est parce que bah, j'ai juste à m'installer, j'appuie sur play et bonne journée quoi. Il se passe plus rien derrière.
Donc je pense qu'il y a ça aussi, je pense que c'est ça. Tout le monde me dit oui, pourquoi tout le monde va sur Switch et tout, mais pour le confort les gars. Pour le confort, non seulement on a l'immédiateté de vos réactions, de vos réponses, mais en plus, mais en plus, il n'y a pas de travail derrière. C'est-à-dire que moi, après, je coupe le live, je vais manger, je vais devant la télé, tu vois. Je me dis pas, oh, demain, il faut que je monte la vidéo. Donc voilà, c'est pas pour ça que je vais arrêter YouTube. C'est juste que, ouais, j'ai trouvé un confort sur Twitch qui est quand même pas négligeable avec mon travail. Donc voilà, pour le déclencheur, j'aime bien. Niveau psychologique, c'est intéressant. Mais parfois, t'as l'impression que, bah, finalement, tu vois, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il en a pas mis un peu trop? Parce que t'arrives sur des paragraphes qu'il essaye de raccorder par-ci, par-là. Il y en a un, c'est ce qui m'amène à un truc comme ça. Attendez. Je regarde. Non, pas là. Ça doit être là quelque part. C'était par là. Ce qui m'amène à la situation dans laquelle je me trouvais. C'est-à-dire qu'il y a tout ça de paragraphes de psycho et on te ramène finalement dans la situation actuelle. Donc voilà, j'aime bien, mais c'est peut-être pas mon préféré de Neil Chesterman. J'ai peut-être préféré Dry. Et le goût amer de l'abîme, je pense. Bon allez, on passe à mes achats. Aujourd'hui, c'était la sortie de À un cheveu de Maëlle de Sarre aux éditions Slalom. Et j'avais trop envie de lire ce roman. Je pense que c'est sur l'alopécie. On a Emma, 17 ans, qui vit sa vie d'adolescente, hein, voilà, de bientôt jeune adulte. Mais voilà, elle a perdu ses cheveux 2 ans plus tôt. Alors qu'elle a conservé le reste de ses poils. Hein. Donc elle a une perruque avec laquelle elle entretient une relation d'amour-haine quasi mystique. Emma décide de profiter du déménagement de sa famille pour repartir de zéro. Voilà, je pense que ça peut être super chouette. J'ai déjà vu des avis tomber dessus parce que les gens l'ont reçu en avant-première et ça avait l'air trop bien. Donc voilà, je vais le lire très vite. Ensuite, je suis tombée sur ça, mais franchement, je sais pas si vous voyez passer en ce moment les romans de la collection R, mais moi. Plus du tout. Autant, je sais pas, il y a 3, 4, 5 ans, on les voyait partout, il y avait que, etc. Maintenant, je trouve que la place, elle a été prise un petit peu par, alors Pocket Jeunesse toujours, mais aussi par De Saxus. Je trouve que la collection R, on les voit plus du tout et je trouve ça dommage. Parce que je suis tombée sur ça, Tu as oublié mon cœur en partant, le remède au chagrin d'amour de Léa Jeunesse, donc à la collection R. Et ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être un petit peu poétique, vous voyez, sur le chagrin d'amour. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Que j'aime le chagrin d'amour, mais j'aime quand on écrit sur cette tristesse infinie qui est là. Et bah voilà, Léa Jeunesse et l'autrice de 20 ans derrière le compte Instagram Une Évasion. Ah bah allez voir, plus de 100 000 abonnés. Tu as oublié mon cœur en partant et la compilation augmentée et illustrée de ces deux best-sellers auto-édités, Les mots m'ont sauvé et 1, 2, 3 soleils. Donc voilà, le livre pour tous les cœurs qui ont aimé une fois. Je pense à toi lorsque la nuit tombe doucement, quand je regarde les centaines d'étoiles scintiller dans l'obscurité en me demandant si tu m'as oublié. Je pense toujours à toi en marchant dans certaines rues, comme si tu ne les avais jamais vraiment quittées, comme tu n'as pas quitté mon cœur. J'en ai lu quelques-uns et en fait j'avais envie de le lire. Voilà, et puis je me dis, ça pourrait être intéressant pour certains patients aussi. Voilà, ensuite. J'ai pris Mobuko no Koi, donc le tome 1 de Akane Tamura. En fait, il avait un coup de cœur au Cultura où je suis allée. Et en fait, on vous dit que on suit une jeune fille timide qui va trouver le courage de sortir de l'ombre pour aller vers l'élu de son cœur. Voilà, on verra bien. On verra bien, je sais pas trop ce que ça donne, mais voilà. Et ensuite, je suis tombée sur deux poches, donc ça compte pas, on est d'accord. J'ai pris La falaise de la repentie de Marie-Béatrice Gauvin aux éditions J'ai lu. Mais regardez le résumé, franchement. Faites une pause, parce que moi, ça me faisait trop envie. On est en 1747 avec Camille qui est fille d'un meunier, et en fait, j'avais l'impression que c'était résolument féministe parce que bah, elle a pas envie d'être comme ces femmes de paysans qui sont avant tout des épouses. Elle voulait un petit peu autre chose, et elle va trouver Madame de Tencin, la baronne de Ré et célèbre salonnière, pardon, un modèle féminin qui la pousse à développer son esprit d'indépendance. Ça a l'air génial, ça a l'air très très bien. J'ai hâte de le lire. Je pense que ça sera une lecture d'été, ça. Ça fait un peu lecture d'été. Regardez-moi cette couverture. En vrai, pourquoi ils mettent un bandeau dégueu là? Franchement, la couverture quoi. La couverture, franchement. Allez, on l'enlève. Hop, voilà. Et ensuite, là, vous l'avez lu partout, vous l'avez vu, pardon, partout. J'ai pris le poche de Traverser la nuit d'Hervé Le Cor aux éditions Rivage Noir et je vois que je l'ai défoncé. Ça, il n'y était pas quand je l'ai acheté. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Ah non,
Bon, ok, ça va. C'est moins défoncé que je pensais. Alors, ça se voit au niveau des pages, mais c'est pas coupé. C'est pas coupé, c'est juste abîmé. Bon, écoutez, c'est un poche, il m'a coûté pas grand-chose. C'est pas grave. Je sais pas comment j'ai fait pour le défoncer. J'en ai aucune idée. Il est resté dans la voiture en plus. Je sais pas ce qui s'est pris. Ou alors il était comme ça et je l'ai pas vu. Hein. C'est possible. C'est possible parce que vraiment, il s'est rien passé dans ma voiture. Bref. Traverser la nuit d'Hervé Le Cor, qui est du coup, vous disiez, le bandeau prix des lecteurs Quai du Polar. Hein. Vous l'avez beaucoup vu, je pense, chez Séverine, d'Il est bien ce livre, si vous la connaissez. Je vous mets un peu le résumé, ça a l'air extrêmement noir. Je pense qu'il va falloir que je le lise cet été quand ça sera très lumineux pour mettre un peu de lumière dans cette noirceur. Voilà, on en est là. Voilà pour les livres du jour. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va, même si cette semaine franchement c'est un peu compliqué moralement parlant, dans le sens où je suis de garde lundi, samedi, dimanche et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. J'ai fait lundi déjà, ça s'est bien passé, hein, aucun souci. C'est juste que. Bah, samedi, dimanche, quoi. 47 heures de garde, il faut les enchaîner. Et bah, des fois, enfin, la plupart du temps, j'ai pas envie, je les fais quand même. Mais bon. Donc voilà, je vais aller préparer le live de soir, donc les sorties littéraires, parce que j'ai rien de prêt. J'ai reçu mes sushis, donc ça déjà, c'est bien. Je vais aller préparer tout ça. Et puis, bah écoutez, je pense que je clôturerai ce vlog demain, je pense, parce qu'après, je suis de garde, donc je vais pas filmer grand-chose. Bah, je vais regarder ce soir ce que j'ai filmé, ce que j'ai pour le vlog que je mettrai mercredi en ligne. Normalement, là, on est mercredi pour vous. Et puis, je le clôturerai demain ou ce week-end, enfin, je sais pas. Mais j'aimais bien l'idée de conserver cette avance, mais je l'ai pas conservée. J'aimais bien ce fait de finir le lundi pour poster le week-end. Ça, c'était plutôt cool. Il faut que je continue. Il faut que je reprenne comme ça, en fait. Sauf que là, j'ai décalé. J'avais pas de vidéo pour mercredi, donc j'ai décalé à mercredi prochain. Mais je pense que mercredi d'après, on fera autrement. Et sinon, si jamais. Je sais que je parle de Twitch, mais j'ai lancé des nouveaux concepts. Là, on va parler recommandations de fantasy, mais ça, je pense que je vous le mettrai en replay sur YouTube parce que ça peut être intéressant pour vous. Et sinon, le dimanche, on commencera le live de 17h30-18h que je faisais avant sur YouTube, maintenant sur Twitch. On commencera le live en débriefant d'un film d'animation. Donc, soit Disney, soit Ghibli, soit Tim Burton, enfin vraiment un film d'animation, pas que Disney, Pixar, etc. Le prochain, c'est Cusco, enfin le premier, là, pour le premier opus, le 8 mai, donc c'est bientôt pour vous, c'est Cusco. Donc le but c'est que vous regardiez le film et qu'on en débriefe après, parce que je peux pas diffuser le film sur Twitch, hein, je vais me faire ban. Voilà, niveau droit d'auteur, j'ai pas le droit. Mais ça peut être intéressant qu'on regarde chacun de notre côté et qu'on débriefe derrière, parce qu'il y a plein de trucs, je suis sûre que vous avez vu, que moi j'ai pas vu, et inversement, on peut parler psychologie des personnages et tout ça. Enfin, moi j'ai diagnostiqué Stitch par exemple, la dernière fois que j'ai vu Lilo et Stitch, c'était il y a 2 jours et je l'ai diagnostiqué. Donc voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, je pense, à dire là-dessus. J'espère que ça plaira. Voilà, tout simplement. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vous laisse, j'ai plus de batterie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous prends directement face lit. On est vendredi 29 avril et je suis de garde le week-end là qui arrive, donc j'avais envie de vous montrer plein de choses, surtout que j'ai annulé le live et de ce soir parce que je suis trop fatiguée, je suis rentrée trop tard, il me reste plein de choses à faire avant mon week-end de garde et du coup j'ai quand même plein de choses à vous montrer. Voilà! Parce qu'en fait, il y a des livres que j'ai ouverts, enfin j'ai fait des unboxings en live et je vous les ai pas montrés, je crois. Au pire, je couperai si c'est le cas. J'ai reçu des petites. Pop, j'ai reçu 2 colis à ouvrir. Enfin bref, dans ma lecture, j'ai pas avancé, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'on ne finira pas forcément ce livre durant ce vlog. Ah, quoique, il me reste pas beaucoup. Quoique, si je pense que je vais aller, on va dire que je clôture ce vlog lundi. Il va peut-être être long, il va peut-être être court, j'en ai aucune idée, pardon, mais peu importe. Et puis on clôturera avec celui-là, ça fait un bel objectif, je trouve. Donc voilà, au niveau achat, je me suis acheté aujourd'hui Les Invisibles de Mar Romesco Moore aux éditions Slalom. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires d'avril 2022. Vous savez, c'est dans ce roman qu'on suit une jeune fille et sa mère qui sont invisibles aux yeux des autres. Et en gros, bah, voilà, elles apprennent à survivre comme ça jusqu'au jour où la maman disparaît. Et voilà, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Slalom, en ce moment, ils font des sorties qui m'attirent de fou. Donc vraiment à voir. Je trouve qu'ils se... Enfin,
Je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, j'ai acheté hier, je voulais montrer un cheveu, je sais plus quoi là. Et là, celui-ci. Et il y a aussi un autre qui va arriver là en mai. Je vous en ai parlé par contre dans les sorties littéraires de mai qui est sorti pour vous samedi. Moi, il faut que je monte la vidéo pour que ça sorte demain. Mais le nouveau Ariel Holz, enfin voilà, franchement, ils font des trucs cool. J'ai reçu le dernier à lire parce que je suis abonnée. Je sais pas si je vais continuer parce qu'en fait, j'ai pas lu les derniers que j'ai reçus donc. C'est un peu dommage. Et du coup, on va faire l'unboxing. Alors, je sais plus. Attendez, faut que je le préouvre parce qu'il y a. Ah, ça, c'est Inceptio. Alors, j'ai préouvert parce qu'il y avait mon adresse pile sur le mauvais endroit. Hop, c'est le dernier roman d'Inceptio qui tient tout seul debout. C'est magnifique. Il s'agit des Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert. Donc, aux éditions Inceptio, le tome 1. Elle m'a encore mis plein de marque-pages. Non mais franchement, je vais pouvoir faire une revente. Ah, celui-là, Fugitif, je l'avais peut-être pas. Oh si, je crois, je sais plus. Solace. Ah, Symbiose, je sais plus. Hein. Bon, je vais vérifier pour Fugitif Symbiose. Par contre, ceux-là, je les ai. Voilà. Du coup, les Rôdeurs de l'Empire, ça sort quand? Bah, ça vient de sortir, je crois. Hein. C'est sorti le 26 avril, donc cette semaine. Et vous voyez, hop, la couverture est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Ce que l'on aime avec violence finit toujours par vous tuer. J'adore voir les petites dédicaces, moi c'est vraiment ce que j'avais préféré. Oh, c'est cool, on a l'avis de l'auteur avant. Ah mais oui, Guy Roger, c'est l'auteur de Outsphere d'ailleurs. Bah oui, je suis bête. Donc là, c'est sa nouvelle saga. C'est bien, ça sort là du coup, enfin pour vous c'est sorti. Et du coup... J'adore les dédicaces, moi j'avais tellement pleuré en écrivant la mienne sur enfin, en écrivant mes pages de dédicaces sur ma thèse que j'adore lire ça. Je tiens à remercier mes parents à qui je dois tout de mon bonheur et mon imaginaire. Je remercie également toutes celles et ceux qui m'ont accepté de relire le roman et qui lui ont permis de l'affiner par leur retour. Puis l'équipe Inceptio. Ah mais c'est trop bien de mettre les petites. En fait c'est les remerciements en début de roman. Ok, d'accord. Bon. L'Empire a été, l'Empire est, l'Empire sera. Oh, il m'intéresse bien. Il m'intéresse bien. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à faire pause. Moi, je sais que c'est de l'héroïque fantasy. On vous dit, loin des châteaux et des cours royales, elle cible plutôt ceux accoutumés à la boue, soldats, espions, criminels, bref, ceux qui se salissent les mains lorsque d'autres donnent les ordres. Oh, la première saga médiévale fantastique de l'auteur. Ça me fait bien envie. Je pense qu'on se le fera ouais, rapidement. Il me fait bien envie. Voilà, hâte, hâte. Et d'ailleurs, en fait, j'ai plein de marque-pages, mais pas celui du roman. Voilà, j'espère le recevoir dans un prochain, un prochain envoi de Félix. Non, hop, non, non, je suis formelle. Hop, bah du coup, il faudrait que j'en prenne un autre. Hein. Il faudrait que je prenne un autre marque-page pour mettre dedans. Voilà. Et deuxième colis, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je vous l'avoue tout de suite. Je ne sais pas. Nous allons découvrir ça ensemble. Hop. Tam-tam-tam-tam. Ou pas. Oh, il est collé à l'intérieur. Youh. Alors, il s'agit de deux ouvrages, d'accord? Il s'agit de... Oh, ça met... Franchement, Slatkin, je vous aime beaucoup, mais vous me faites que des envois sauvages. Envoyez-moi un mail, je vous dirai si je le veux. Une vérité changeante de Garinco Carofiglio. Ouais, j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, on vous dit... Le grand retour de l'enquêteur, un phénomène en Italie, bon, ça je m'en fous. Barry vaut bien un meurtre. Alors, attendez. Il est tout petit. Il est tout petit. Puis c'est surtout que je finis même pas par les... Je les lis pas forcément, quoi. En plus, c'est ça le pire. C'est que je ne l'ai pas demandé, j'en suis sûre. Alors, Barry vaut bien un meurtre. Un homme au passé trouble est retrouvé mort, tué d'un coup de couteau à la gorge. Une vieille voisine est absolument certaine d'avoir vu un jeune au comportement suspect s'enfuir du bâtiment où le crime a eu lieu. La femme a noté un numéro de plaque d'immatriculation et remarqué que le garçon avait jeté quelque chose dans une poubelle. À ce stade, l'affaire semble close. Mais Pietro Fenoglio n'est pas totalement convaincu. Il sent que quelque chose d'étrange plane autour de ce meurtre. Ok. Ok, donc apparemment en Italie c'est cool. Voilà. Et du coup, alors il sort quand? 5 mai. Et là aussi 5 mai. Oh, c'est collé. J'ai dû le décoller de ça. Il s'agit de Hardland, les 49 secrets de Grady de Benedict Wells. Pareil, assez petit.
avec un petit marque-page là aussi. C'est gentil, hein. Cet été, je suis tombée amoureux et ma mère est morte. Oh, ça tombe bien. Ça tombe bien. Non, ça ne tombe pas bien, mais ça commence bien. Donc, cet été, je suis tombée amoureux et ma mère est morte. Sam, 15 ans, a trouvé un job de vacances dans un vieux cinéma de quartier à Grady, Missouri. Sa vie va basculer. Une merveilleuse histoire d'amour et d'amitié par le plus talentueux romancier de la nouvelle littérature allemande. Alors ça, par contre, ça m'intéresse plus. J'avoue, c'est un petit peu plus mon truc, ça. Ok. C'est pas que j'aime pas le thriller, mais des meurtres comme ça, bon. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Tellement. Ah bah, c'est la première phrase du roman, c'est ce que je voulais voir. Cet été, je suis tombée amoureuse et ma mère est morte. Tout cela remonte à plus d'un an, mais pour moi, ce sera toujours cet été. Bizarrement, je me revois souvent derrière la maison, un tuyau à la main en train d'arroser le jardin. Ok. Alors, le grand retour du jeune prodige de la littérature allemande... donc ça a été bien en Allemagne, on vous dit. Ok, meilleure vente en Allemagne, publication dans 17 pays. Ok, très bien. Alors celui-ci me dit plus, celui-ci moins, on verra, il fait que 150 pages. On verra, mais vous le savez, moi quand c'est des envois sauvages et qu'on me demande pas mon avis, ben ils sont au fond de ma pelle et on verra bien quand j'en aurai envie. Voilà, sinon, on continue avec les livres. Je vous montre un petit peu, j'ai reçu, je sais plus si je vous les ai montrés, j'ai reçu Vampire Dormitory de Emma Toyama, le tome 8 aux éditions Pika, et j'avais aussi reçu I Fell in Love After School, le tome 8, mais je l'ai passé à ma sœur parce qu'elle, elle est à jour dans la saga et pas moi, et je sais qu'elle va me le passer la semaine prochaine, donc voilà, ou à peu près. Criminal Fiançailles, tome 2 de Asuka Konishi, pareil aux éditions Pika. J'avais pas encore lu le tome 1, donc là c'est bien, je vais pouvoir enchaîner, c'est cool. Je vais peut-être me les prendre, je pense que je vais me prendre des mangas pour ma garde ce week-end, je le fais toujours. Ensuite, j'ai eu une autre réception encore cette semaine, il s'agit de Human Machine de Samuel Zawi aux éditions L'Aube, et celui-ci je l'avais demandé aux éditions L'Aube à la très gentille Isabelle d'ailleurs, qui me l'a envoyé rapidement d'ailleurs. Je vous montre, on est bien sûr avec des intelligences artificielles, hein, je pense que vous l'avez compris, on est dans un futur proche avec une contre-révolution conservatrice qui l'a emporté, quelle horreur. La laïcité et le féminisme ne sont plus répertoriés dans les encyclopédies en ligne. Les délatrices de MeToo sont emprisonnées. Les femmes sont les gibiers favoris du vieux Poutine. Et le féminicide est dépénalisé. Quelle horreur. Le mariage et la prostitution sont les seules issues pour celles qui ont de l'ambition. Et on suit Tokiko qui voit le jour dans ce monde. Elle achète, elle est le produit de consommation le plus cher du marché. Tokiko n'est pas une femme comme les autres. Elle n'a pas de parents, seulement un créateur. Malène qui Crum. Produite en série, les sœurs de Tokiko assureront la fortune de financier du projet Crum. Mais Malenki a conçu sa Tokiko, comme un modèle unique, émancipé et libre. Liberté dont elle cherche le sens et qui se résume à une fuite permanente. C'est cette errance vers l'humanité qu'elle nous raconte. Et bien sûr, on va suivre d'autres femmes, enfin, on va rencontrer d'autres femmes avec, voilà, sous le joug de la domination masculine. Ça m'intéressait carrément parce qu'on mêle féminisme et intelligence artificielle et quête de liberté par une intelligence artificielle, un ordinateur finalement, féminin, mais dans un monde sans liberté pour les femmes. Hein. Vous voyez, c'est assez particulier. Ça me faisait trop envie. Donc voilà. Et sinon, les pop, je vous montre ce que je me suis pris. Ça, c'est à cause de Mira, donc de la chaîne Mira Zonchi sur Twitch. C'est Le Petit Train. Alors, j'ai pas tout pris, mais j'en ai pris pas mal quand même. De Jack. Donc, Jack dans L'étrange Noël de Mr. Jack. Donc, regardez comme il est trop mignon. Je veux pas le déballer, hein. Je suis désolée, mais je le trouve trop chou déjà comme ça. Voilà, et derrière je vais mettre Sally, bien évidemment, qui est dans son carte en forme de chat, là, c'est trop mignon, trop belle Sally, je trouve, elle est trop belle, vraiment, vraiment. Ensuite, je mettrai ce petit zéro, parce qu'il est trop beau dans son carte canard, voilà, et puis ensuite, on mettra Oggy, voilà, donc en gros, ça fera ça, attendez, je mets bien, hop. C'est le conducteur du train. Et après, en fait, vous avez des trucs pour les attacher. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez des trucs là pour les attacher ensemble. Et on fera un petit train. Voilà. Et il y a les fonds aussi. Ça peut être cool dans la bibliothèque. Ça fera joli, je trouve. Voilà pour aujourd'hui. Sacrée vidéo, là, pour le coup. J'ai considérablement augmenté la durée de ce vlog. J'avais tellement de choses à vous montrer et j'avais tellement pas pris le temps parce que bah, je rentrais, soit bah, j'avais plein de tâches ménagères à faire, soit je faisais un live et du coup voilà, je vous avais un petit peu abandonné. C'est vrai, je suis désolée.
Mais en même temps, je me dis un live toutes les 2 semaines, c'est pas si... un live, non, un vlog toutes les 2 semaines, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que ça me donne l'occasion de vous montrer des choses intéressantes, enfin que je trouve intéressantes, parce que je savais que cette semaine, j'aurais pas pu faire de vlog uniquement pour cette semaine, parce que j'avais garde lundi, et puis demain, samedi, dimanche, enfin c'est pas possible, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait les sorties littéraires en live, parce que ça me prend tellement moins de temps, et que bah, c'était soit je faisais en live, soit je suis navrée, mais il n'y aurait pas eu de vidéo de la semaine. Donc voilà. Je vais aller monter ma vidéo, puis après je vais aller manger. Il y a Victor qui est en train de faire des tests sur des jeux, je sais pas quoi. Donc je suis un petit peu tranquille, je vais me reposer tranquillement avec Luna. Je pense qu'elle a faim aussi, donc je pense qu'on va plutôt aller manger, puis je verrai pour ma vidéo tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous reprendrai vite fait, je pense, lundi en rentrant de ma garde. Voilà. Oh, salut Luna! Parce que souvent je vous dis, ah, je vous prendrai peut-être pendant ma garde, salut, elle était trop chou. Je vous reprendrai peut-être pendant ma garde, machin, mais je le fais jamais, donc je vous promets rien. Je vous fais des bisous. Et puis je vais aller ranger tout ce bazar. N'est-ce pas, Luna? On va aller manger après? Ouais. Allez, à lundi. Coucou, aujourd'hui on est mardi et j'ai décoré un petit peu, regardez. Hop. Je vous prends, là on est dans le bureau, hein. Ça va se tendre, mais je peux pas le repasser, c'est chiant. Hop, voilà. Il va falloir que je baisse un petit peu ça parce qu'on est bientôt en live. Il faut que je me dépêche, objectivement. Il faut que je me dépêche. Il me reste 5 minutes. Mais je voulais au moins vous prendre pour clôturer ce vlog qui, j'espère, sera en ligne mercredi. Sinon, jeudi, hein, c'est pas la fin du monde. Oh, bah tiens, ça commence déjà à se détacher. Mais c'est pas très gentil. La plupart sont de mine. Bah, toutes en fait. Toutes celles que j'ai accrochées là sont de mine. Parce que pour l'instant, j'ai retrouvé celle-là. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.